Salut! Alors il y a environ un an, on avait fait une série de vidéos avec Alexandre Carlier, dans laquelle en fait chaque semaine on faisait des exemples de résolutions en prenant les mêmes mélanges. Donc lui faisait les siens sur sa chaîne, moi je faisais les miens sur ma chaîne. Ça vous permettait de comparer les deux, de voir que en fonction du cubeur, bah, finalement le style varie énormément. On n'a pas la même manière de voir les choses, on n'a pas la même manière de résoudre certaines choses, etc. Donc ça avait plutôt bien marché, vous étiez plutôt content de ce genre de vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, que bah, tout simplement, la sixième vidéo, donc la sixième série de 5 exemples de résolution, il n'y a que Alexandre qui les avait fait. Donc, il l'avait faite. Et moi, je ne l'avais pas faite. Je pense que j'avais pas le temps ou je devais avoir autre chose à faire. Et du coup, 2 semaines plus tard, j'avais oublié. Ou quelque chose comme ça. Mais du coup, je ne l'avais pas faite. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, là, j'ai un petit peu de temps, je cherchais une vidéo à faire. Pourquoi pas bah, tout simplement faire la sixième. Même si c'est un an plus tard, voilà, je trouve que c'est pas grave. Et puis dans tous les cas, ça sera une vidéo d'exemple de résolution. Et je pense que dans tous les cas, c'est le meilleur moyen de progresser. Donc, comme pour les vidéos précédentes finalement qui sont en ligne depuis un an du coup, je me suis chronométré, hein, vous avez pu voir les temps que j'ai fait avec les 5 mélanges là. Les mélanges seront dans la description. Et maintenant je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait. Je vais vous expliquer ce qui m'est passé par la tête pendant mes résolutions pour vraiment que vous compreniez comment je vois les choses quand je suis en train de résoudre. Donc, premier mélange, donc je vous invite à les faire évidemment. Hein. Première chose que je vois, c'est tout simplement la bleue ici qui permet en fait, en la mettant sur la face blanche, de positionner la orange et la rouge très très bien par rapport à la bleue en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça, j'ai fait R', FB', et ensuite je savais que la verte allait être ici. Donc la verte qui est là, allait monter là. Donc finalement, je savais qu'il faudrait faire D, puis finalement l'insérer avec un R' FR. Donc j'ai fait ça, et en fait en faisant ça, j'ai vraiment cherché à voir la première paire, puisque la croix, je l'avais prévue, comme dans 100% des cas, je prévois entièrement la croix, donc j'ai cherché directement la première paire. Donc j'ai fait ça, D. Donc en faisant R' FR, en fait j'avais ma main sur la face de droite, donc finalement le premier truc que j'ai vu, c'était cette paire-là. Donc j'ai directement enchaîné, j'ai fait ça. Et au lieu de faire U pour aller l'insérer, en fait, tout simplement, j'ai fait R', U2', R. Et donc là, vous voyez que quand je fais ça, bon, bah, j'ai une paire qui se forme parfaitement là. Alors, je préfère faire du R', U, enfin, faire du RU de manière générale. Donc finalement, j'ai fait une espèce de rotation comme ça, pour pouvoir la résoudre en R', enfin, en RU. Et en fait, en la résolvant, donc je cherchais déjà la dernière paire. En l'occurrence, le seul truc que je voyais, c'était cette paire-là. La verre rouge. Donc en fait, je l'ai suivi des yeux. Donc là, j'ai vu que j'allais insérer le coin derrière. Ensuite, j'allais ressortir le coin. Donc ma paire était là. Et en fait, je suivais tellement cette paire des yeux, et ça va tellement vite pendant une résolution, que je n'ai même pas vu que j'avais une paire qui s'était formée ici. Donc j'ai fait U2', j'ai été casser cette paire-là, j'ai fait une rotation pour l'insérer, et du coup, bon, je suivais des yeux celle-là, évidemment, hein, c'est la dernière paire, donc c'est très facile de la voir, puisqu'elle ne peut pas être dans d'autres slots. Et du coup, j'ai directement enchaîné sur cette dernière paire. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai fait U', j'aurais dû faire U puis le Sun par l'arrière, mais j'ai fait U', et du coup, bah, j'ai commencé la formule par la... Enfin, une autre formule qui permet de résoudre ça par l'avant, c'est-à-dire sortir la paire, la ramener et l'insérer en cette jammer. Et ensuite, j'ai eu une PLLT. Alors, quand il y a un U2 à la fin... Il y a une fin particulière de la PLLT, mais personnellement je ne la fais pas parce que je la maîtrise pas assez bien. Donc voilà pour ce premier mélange. Alors on passe donc au deuxième mélange. Alors, première chose que j'ai repéré, c'est évidemment, encore une fois, j'avais la verte et la bleue qui étaient dans une bonne situation, l'une par rapport à l'autre, puisqu'elles pouvaient être descendues sur la face blanche, sur des faces opposées. Donc j'ai vu ça, et ensuite qu'est-ce que j'ai vu? Bon, j'ai vu que la rouge pouvait venir ici. Donc finalement, elle serait bien par rapport à la verte et la bleue, une fois que je les aurais descendues. Donc j'ai fait ça en fait. J'ai tout simplement mis la rouge, et ensuite j'ai descendu la verte et la bleue, mais en même temps que la orange. Enfin, j'ai influencé la orange. Donc en fait, j'ai fait un R2, et ensuite j'ai fait une espèce de rotation comme ça, pour aller mettre les deux, enfin les trois. Et là, énorme erreur, au lieu de faire D' pour aligner la croix, je fais D. Et en plus de ça, je vois littéralement rien devant moi, puisque ce coin-là, je ne l'avais pas vraiment remarqué, donc forcément c'est facile avec cette arête-là, mais je n'avais pas remarqué grand-chose. Du coup, je fais Y, et là, je remarque toujours pas grand-chose. Un peu dans le feu de l'action, je refais un Y. Donc finalement, je fais Y2, alors que la croix n'est toujours pas résolue.
Donc ensuite je fais un des deux comme ça à la croix, c'est bon. Et je peux commencer avec une paire qui est en plus n'est pas extraordinaire, c'est-à-dire cette paire là. Je vois en fait ce coin qui va avec cette arête. Donc en fait je fais U2, je forme la paire comme ça. Je refais U2 et je vais l'insérer ici. Alors quand je l'insère, je vois à peu près cette paire là. Mais vu que j'avais très très mal commencé, c'est compliqué vraiment de se remettre dedans. On a vraiment très peu de temps hein, pour se remettre dedans, donc c'est assez compliqué. Donc finalement j'aurais pu faire tout simplement ici, j'aurais pu mettre le coin là et sortir l'arête comme ça pour pouvoir l'insérer derrière, mais c'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait une rotation encore une fois, j'ai mis le coin là, donc j'ai formé la paire comme ça et j'ai inséré la paire. En insérant la paire, j'ai finalement une paire qui était dans son mauvais slot qui est sortie. Donc j'ai refait une rotation ici pour l'insérer. Tout ça, je l'ai pas fait extrêmement bien. J'avais pas un look ahead extraordinaire sur cette résolution. En même temps, quand on commence très mal une résolution, c'est vraiment compliqué de se remettre dedans. Et donc, évidemment, après, la dernière paire. Donc, j'ai fait U2 et 3 sexy par l'arrière. Ensuite, cette OLL, il est vachement bien, mais j'ai lock-up. C'est vraiment dommage parce que ça passe vraiment très très bien. C'est d'ailleurs l'OLL que Seung Bom Cho a fait sur son record du monde à 4,59. Donc voilà. Et ensuite, donc j'ai repéré une PLLU, donc je l'ai amenée devant moi et j'ai fait ma PLLU classique. Donc voilà, et ça a donné du gros 9, je crois, donc c'était pas une résolution incroyable par rapport à la résolution d'avant, qui pour le coup était du gros 7, donc une très bonne résolution, j'avais réussi à bien anticiper. Alors, troisième mélange. Donc, qu'est-ce que je vois sur ce mélange? Je vois que j'ai tout simplement la orange et la bleue qui sont très faciles à mettre puisqu'elles sont connectées à leur centre. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Je vois que j'ai mon arête blanche-verte qui est sur la face blanche, pas au bon endroit, et la rouge ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait U' R2, puis pour que la rouge arrive au bon emplacement par rapport à la verte, puis D, et j'ai terminé avec les deux dernières comme ça. Et en fait, en terminant avec les deux dernières, j'ai vu ma paire qui s'est formée ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un Y', j'ai fait U2 pour l'insérer derrière. Là j'ai vraiment bugué, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à avoir un bon look ahead non plus sur cette résolution. Donc j'ai vu évidemment cette paire là, puisque en fait quand j'ai inséré par l'arrière ici, j'ai le coin qui est apparu devant moi. Donc j'ai très vite vu l'arête, mais bon, ça s'est pas passé non plus dans la meilleure des manières, c'est-à-dire que j'ai un petit peu galéré quand même. Ensuite j'ai refait un Y' pour aller insérer cette paire comme ça. En l'insérant par contre là, j'ai vu que j'allais créer cette paire là, donc ça par contre voilà, je l'ai vu. Et en fait j'ai très très mal réfléchi, en même temps on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. Je me suis dit, enfin j'ai fait un Y' en fait pour aller l'insérer en RU. J'aurais vraiment dû faire Y pour aller l'insérer derrière à gauche, comme ça j'aurais eu ma dernière paire devant moi à droite, et c'est quand même ce qu'on préfère quand on résout une dernière paire. Donc finalement j'ai fait un Y', j'ai été l'insérer comme ça. Et là en fait quand on a ce cas là, c'est à dire une arête qui est désorientée et un coin qui a l'étiquette blanche qui pointe vers le haut, et quand on a ça avec une seule arête désorientée, on peut forcer tout simplement la croix pour avoir un OLL croix qui est généralement mieux qu'un autre OLL, puisqu'on peut connaître des COLL ou des ZBLL par exemple. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait U2. Et en fait, il n'y a pas vraiment de moyen de forcer la croix en restant sous cet angle-là. Donc j'ai fait Y, et en fait j'ai inséré cette arête désorientée ici. Donc ça, c'est très classique, hein, c'est vraiment, tout le monde connaît ça, j'ai envie de dire, à haut niveau, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique de faire ça. Mais du coup, j'avais fait R'U2R, je reconnais pas vraiment de cas de Winter Variation que je connais, c'était pas incroyable, il a fallu que je refasse U2', que je me remette là pour l'insérer. Donc voilà, c'était pas incroyable comme résolution, mais ça va quand même, on va dire. Ensuite, donc je fais U, et j'ai fait la COLL en fait. Je fais rarement des COLL, mais là je l'ai faite avec la COLL Pi avec deux couleurs identiques ici et deux couleurs qui ne sont pas identiques ici. Donc en fait, j'utilise un algo qui ressemble à ça. Et donc ensuite, bon, ça m'a un peu sauvé la vie, avoir la PLLU que je fais vraiment très très rapidement. Ça m'a juste permis de faire sub 10, hein, c'était vraiment une résolution qui n'était pas réussie de manière générale, c'était vraiment pas une bonne résolution. Donc voilà, encore une fois, un temps qui se rapprochait de 10 secondes, donc pas incroyable. Alors, avant-dernière résolution, donc on a ce mélange-là.
Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la verte qui était sur la face blanche, la rouge connectée à son centre, la bleue ici et la orange ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, j'ai fait un U' R2 pour aller mettre la bleue opposée à la verte, et un F' pour remonter la orange, pour qu'elle soit orientée finalement, et que je puisse tout terminer sans mouvement F, qui serait un petit peu compliqué à faire. Donc finalement, après avoir fait ça, j'ai fait juste D pour aligner la verte et la bleue, L', R' pour finir la croix. Et donc en fait, quand j'ai fait R', évidemment, ça faisait longtemps que j'avais vu cette paire-là. Donc j'ai réussi à enchaîner assez bien, je crois. C'est à vérifier hein, sur la vidéo, mais je crois que j'ai réussi à bien enchaîner. Donc finalement, j'ai mis l'arête là. Et j'ai formé la paire comme ceci. Donc c'est un peu long, mais bon, quand on arrive à vraiment bien anticiper et bien enchaîner, ça passe quand même très très bien. Donc ensuite je l'ai inséré derrière. En insérant derrière, bon, ça faisait longtemps que j'avais repéré cette arête ici et le coin correspondant là. Donc finalement, en remontant L', j'ai enchaîné avec un L2 en fait pour créer cette paire. Donc une fois que j'avais ça, comme pour la première résolution, je me suis pas embêté à faire U et pour aller l'insérer derrière avec R' UR, j'ai directement fait R' U2 R. En faisant ça, en fait, j'ai complètement cassé une paire que j'avais là, mais comme l'arête n'a pas bougé, et ben j'ai juste suivi des yeux le coin, et donc j'ai pu enchaîner vraiment directement. Alors encore une fois, il y a beaucoup de mouvements, mais c'est pas très grave, parce que j'ai réussi à quand même bien enchaîner. Donc j'ai formé la paire comme ça, je l'ai amené devant pour l'insérer. Donc là, évidemment, j'avais repéré aussi que j'avais le coin vert rouge qui était résolu. Donc l'arête, je l'ai vu passer, elle est là. Donc quand j'ai inséré, tout simplement, j'ai continué pour aller faire un belge très très classique et insérer donc la dernière paire. Ensuite, donc j'ai vu cette OLL là, donc assez simple. Et là, un peu le cauchemar qu'on puisse avoir, c'est une PLLE sous un angle totalement différent de l'angle où finalement les arêtes sont résolues. Donc du coup j'ai fait U2 et je me suis rendu compte que bon, j'avais cette couleur là qui était opposée à cette couleur là, donc je pouvais commencer ma PLLE, et j'ai fait des énormes lock-up sur la PLLE, ce qui fait que ma résolution, bah, finalement je l'ai complètement ratée. Déjà qu'il y avait beaucoup de mouvements, donc c'est pas l'idéal, même si j'ai quand même réussi à bien enchaîner, mais j'ai eu beaucoup de lock-up aussi, donc finalement le temps n'était pas incroyable non plus. Et enfin, dernière résolution de cette vidéo. Alors, donc, encore une fois, le mélange est dans la description, donc je vous invite à le faire sur votre cube. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit la orange et la verte qui sont bien l'une par rapport à l'autre. Donc la rouge là et la bleue là. Donc déjà, de base, c'est pas une croix qui inspire grand-chose. On voit pas intuitivement, directement, de moyen de mettre les quatre ensemble. En tout cas, moi, j'en vois pas directement. Mais du coup, j'ai fait quelque chose avec beaucoup de mouvements, mais qui s'enchaîne très très bien. Et qui permet d'anticiper quand même pas mal sur la première paire. Je me suis mis là, et en fait j'ai fait un B' pour mettre la orange derrière. Ensuite, donc comme la verte est facile à mettre ici, j'ai mis la verte, mais j'ai enchaîné en fait pas R', mais R'2 pour mettre la rouge devant. Et j'ai relevé avec un R. Donc finalement j'avais 3 arêtes sur 4. Il fallait juste que je mette la bleue ici. Donc au lieu de faire U2, L2, ce qui serait chiant par rapport au mouvement que j'ai fait juste avant, bah finalement j'ai fait D2, R2 et D pour aligner la croix. Et en fait, comme les derniers mouvements c'était des mouvements avec des D et des R, et bah j'ai pu tout simplement voir que j'avais une paire qui était toute bien formée ici. Donc ça, c'est assez chanceux hein, parce que bon, j'avais vraiment une paire magnifique que j'ai vue directement. Donc j'ai été l'insérer, mais en fait j'ai pas vu grand chose après. J'ai vu quand même cette paire. Mais bon, quand je l'ai vu, j'avais déjà fait une espèce de rotation ou un truc qui m'avait perturbé un petit peu. C'est dommage parce que j'aurais pu tout simplement la créer comme ça et aller l'insérer derrière à droite. Mais en fait, j'ai fait une rotation comme ça, je crois, donc c'était pas dingue. J'ai amené l'arête là et je l'ai créé comme ceci. Ensuite, j'ai dû refaire une rotation pour aller l'insérer. Donc là, c'était pas très très bien. J'avais bien commencé la résolution et cette paire, elle était pas incroyable. Et ensuite, deux dernières paires. Alors là, c'est vraiment dommage que j'ai pas pris juste quelques centièmes de seconde pour me demander quoi faire, parce que en fait, j'avais donc cette paire là qu'on peut résoudre avec deux sexy, donc tout simplement en sortant le coin ici puis en insérant. Mais j'avais aussi cette paire là et j'aurais pu voir les deux. Hein, ça, c'est le truc qui me saute aux yeux généralement. Alors, on va essayer d'envisager un petit peu les deux possibilités pour vous montrer, pour poser un peu le pour et le contre. Donc, si j'avais commencé par celle-ci,
Donc en fait, en faisant R' U2R pour créer la paire, ensuite U2 pour l'amener derrière et l'insérer, et ben en fait, ce coin n'aurait évidemment pas été touché, et cette arête n'aurait pas perdu son orientation, elle aurait toujours été sous cette orientation. Donc finalement, j'aurais toujours pu la résoudre en amenant l'arête ici et en faisant deux sexy moves. Du coup, bah finalement, ça aurait été une très très bonne solution, puisque j'aurais pu bourriner cette paire tout en suivant uniquement l'emplacement de cette arête, pas l'orientation, parce que je sais qu'elle n'aurait pas changé d'orientation, puisque des mouvements R et U ne peuvent pas changer l'orientation d'une arête, c'est impossible. Du coup, j'aurais dû faire ça, mais j'ai pas fait ça. Parce que j'ai vu cette paire-là avant, et je me suis pas posé, je n'ai pas pris le temps de réfléchir. Et du coup, j'ai tout simplement fait comme ceci, puis je l'ai inséré, et je me suis retrouvé avec une paire beaucoup plus chiante ici, que j'ai amené derrière, que j'ai cassé comme ça, que j'ai inséré, et j'ai évidemment réinséré la paire qui était devant moi. Alors ici, j'ai un petit peu flippé, parce qu'en fait j'ai vu ça, et j'ai vu ça, donc moi qui suis pas un expert en reconnaissance de skip, je me suis dit que ça aurait peut-être pu skip, mais en fait je m'en suis rendu compte trop tard, et du coup j'ai fait U' et j'ai fait un anti-sun. Et en fait, bon, c'était pas le cas qui skippait, puisque si ça avait été le cas qui skippait, en fait, après un anti-sun, j'aurais eu une PLLJ, et en l'occurrence, j'ai pas eu une PLLJ, j'ai eu une PLLY, donc j'ai fait U2', j'ai commencé ma Y, et en fait j'ai lock-up sur la Y. Vraiment, j'ai lock-up sur toutes les résolutions, j'ai l'impression, sauf la première, donc j'ai lock-up sur la Y, ça s'est pas super bien passé. Surtout avec la UF à la fin, parce que c'est U, donc U je pousse ici avec mon doigt, donc quand j'ai U après une Y. Donc voilà, c'est tout pour ces 5 résolutions, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça peut vous aider à apprendre 2-3 petits trucs par-ci par-là, à comprendre de manière générale comment réfléchir quand on est en résolution, si ça peut vous aider à améliorer un petit peu vos croix, etc. Je pense vraiment que ce genre de vidéo, c'est le mieux pour progresser. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, à laisser un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et sinon, on se donne rendez-vous très bientôt pour 2 prochaines vidéos. Salut !